Salut. Ben écoutez, c'est Tina Glamour. Je suis dans une joie immense. C'est pas possible. Ben écoutez, je casse l'abcès. Je tiens à remercier le ministre Ahmed Bakayoko, grand homme de parole qui a toujours cru en Ange Didier Wong, mon enfant, Didier Arafat, qu'il a soutenu pour le boulot qu'il a donné, qu'il faisait, et puis pour sa façon d'être naturelle. Et aujourd'hui, il est venu essuyer mes larmes financières. Parce qu'une maison, attends, c'est pas rien. J'ai tellement payé des loyers pendant des années. Et Dieu m'a fait grâce. Dieu a touché le cœur de ce monsieur. Je fais cette vidéo pour dire officiellement, voilà, j'ai reçu les clés de ma villa. Les gens avaient mis la charrue avant les bœufs, mais je suis une personne, j'aime pas tout ce qui m'est privé, j'aime pas extérioriser ça, mais c'est trop beau. C'est trop beau, je dois partager ça, je dois vraiment montrer que le ministre n'est pas obligé, hein. C'est pas obligé, il me dit, bon, écoute, la Spenja, la manière dont il m'a appelé, écoute, qu'est-ce que tu veux, tout et tout. Il m'a demandé ça, et par des conseils, je tiens à dire bonjour, merci aussi à monsieur Zumbak. Parce que dans la vie, c'est vrai, on est star, on est têtu, mais on a des conseillers. C'est qui est là, on travaille, un artiste, ou bien un être, mais tu n'as pas de maison. J'ai des petits-enfants. Je ne suis pas encore à l'âge de porter la canne, mais j'ai un chez moi. Grâce à M. Ahmed Bakayoko, grâce au conseil de certaines personnes comme M. Zoum Bakayoko, sa femme Mouna, hein, ma fille, et puis d'autres personnes, et puis Dieu. Parce que c'est Dieu qui incline les cœurs. Donc, je tiens à vous dire merci beaucoup. Et puis, j'ai la joie, c'est l'émotion. Hein? Les jata, à chacun son tour. Hein? Kong, bisous.